collègue vous ait cherché pendant au moins une bonne vingtaine de minutes, alors que vous étiez sous mes yeux, je n'en peux plus. Et après j'ai dû chercher la carte SD, la carte mémoire là, je ne vous trouvais plus non plus. Je n'en peux plus. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 8 avril, c'est l'anniversaire de ma sœur aujourd'hui. Bon anniversaire à elle. Je vais aller à la BU, mais je me suis dit vas-y je vais vous filmer un petit peu ce que j'avais acheté dernièrement à Primark. Il y a quand même pas mal de petites pépites, donc je vous installe dans le spot. Unboxing. Ah mais qu'est-ce qu'on est bien ici. J'ai sorti Birdie sous la pluie, je savais pas qu'il pleuvait, même si ça se voit. Mon manteau sur la tête, je voyais rien de ce qui se passait. Je pouvais me prendre un poteau au calme. Birdie elle a les cheveux tout frisés. Alors je suis passée à Primark, à Truffaut et à Stradivarius. Donc j'ai acheté ces pantalons là qui sont vraiment bien. Alors par contre au niveau des tailles, moi j'ai pris S et M. Ça dépend, soit le M est beaucoup trop large, soit le M est parfait. Donc vraiment essayez ce genre de pantalon. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos si je les retrouve. Mais j'ai pris un pantalon comme ceci, cargo. Le vert est trop joli. Là j'ai le marron clair que j'avais déjà acheté juste avant, qui est en taille M. Et là je l'ai pris en taille S. Il coûte 20€ et franchement je peux vous les conseiller, ils sont vraiment géniaux. Donc moi j'ai pris le vert et j'ai pris aussi le noir. Il y a aussi un marron foncé. Le noir est comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment un basique vraiment... je peux vous conseiller, voilà, c'est 19,99€, c'est ça, donc là, je l'ai pris en taille M. Donc voilà, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas reçu en magasin, parce que ça part très très vite ce genre de pantalon, parce qu'ils sont vraiment pas chers, ils sont de très bonne qualité, et moi je suis trop à l'aise dedans, franchement, on est super bien. À Truffaut, j'ai vu ça à ma caisse, j'ai tout de suite appelé la serre, j'ai dit, descendez-moi ce fameux pot. Non mais regardez cette beauté là, j'adore, en fait ils le font en plusieurs coloris, vert, blanc et rose je crois. Et regardez comment c'est trop beau. Donc c'est un petit pot que tu peux mettre sur une étagère et tu vas mettre une petite plante là. Oh, j'adore, c'est vraiment trop choupi. Ça coûte 21,99€. C'est pas donné mais franchement je trouve ça trop joli. Genre ça va trop dans mon appartement, je vais mettre sur mon étagère soit là-bas, soit ici là. Je pense que ça peut être pas mal à la place de mon petit mutin. Regardez en plus il y a des petits détails, je sais pas si vous allez voir. Des espèces de petits grains de beauté et tout. Enfin, je trouve ça trop choupi. J'adore, j'adhère, je valide. Ensuite, je suis allée à Primark. J'ai fait des petits achats. J'ai trouvé des petits hauts comme ceci que j'adore. Moi, ce genre de petits hauts, je l'ai déjà porté. Il faut que je le mette au sale. Hein. Donc, c'est des petits hauts qui se resserrent en dessous des seins. Donc, c'est plutôt parfait quand t'as une petite poitrine. Et franchement, le tissu est hyper agréable. Je l'ai mis avec le pantalon vert hier. Et franchement, il est trop trop bien. J'aime beaucoup cette forme-là. Je trouve que ça va bien aux petites poitrines. Et du coup, j'ai pris le même modèle, mais avec un autre motif. Donc, ça coûte 9€. C'est assez choupi, c'est assez printanier. Tu mets ça avec un petit... avec un jean comme ça, là. Je trouve que ça fait plutôt joli. Ensuite, j'ai pris des soutifs. Alors, il y en avait un jaune, un blanc et un bleu foncé. Ils sont pas extraordinaires, je trouve. Mais franchement, ils font l'affaire pour... je sais pas combien c'était. C'était pas très cher, c'était 12€ je crois les trois. Donc vu les prix chez Etam, voilà, on se comprend. Du coup j'ai pris ça, voilà c'est vraiment un basique. Il n'y a pas trop de push-up à l'intérieur. Et franchement ils sont bien, enfin ils cassent pas trois pattes à un canard. Mais j'en avais besoin parce que j'en ai plus beaucoup de soutifs qui me vont. J'ai pris à Bershka un haut à 9,99€. Donc moi j'aime trop ce genre de t-shirt. Hop. En fait ça se serre à la taille, donc je l'ai pris en taille S parce que le M était un peu grand. Donc si tu le serres en fait, tu fais des petits nœuds autour de ta taille, je trouve ça trop joli. Ensuite, à Stradivarius encore, bah putain, je savais pas que j'avais acheté tout ça. Ça c'était je crois 9€ dans mes souvenirs, je l'ai pris en taille M, je l'ai pas essayé, mais je pense que ça ira. Je sais pas si vous aussi vous sentez l'odeur de Stradivarius, genre ils mettent un parfum, ça se sent à des kilomètres. Donc voilà, j'ai pris une espèce de petite brassière que tu mets soit en dessous des vestes blazer, des choses comme ça. Moi j'aime beaucoup, c'est en effet un peu soie. C'est assez doux, enfin soie velours, je trouve ça assez doux. Ils le font en plusieurs coloris et moi j'aime trop ce genre de petits hauts, c'est assez pratique pour faire des tenues un peu classe, sexy, je trouve ça assez beau. Ensuite je suis allée à la pharmacie, j'ai pris des spaçons, voilà, on est tous ravis. Ah oui, attendez, j'ai acheté ça à Primark, ça a coûté 12€. C'est des trucs pour mettre les livres, vous savez, au milieu. Et je trouve ça trop joli. C'est en effet un peu quartz rose. Bon, c'est pas du quartz, non, je crois pas. Ça change des ranges, des porte-livres. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Je suis passée à...
C'est quoi ce magasin de merde là? Normal, Norma, quelque chose comme ça. J'ai acheté des Kleenex, voilà, on est tous ravis. J'ai acheté du Sanitol et j'ai acheté aussi l'anti-cerne Fit Me, c'est celui que je porte tout le temps qui est très très bien. Ensuite, après la marque, j'ai acheté des petites pinces parce que moi les pinces je les casse tout le temps, c'est un truc de fou. 4 euros, donc des petites et une grosse bleue. J'ai trouvé que c'était assez joli. Ça a changé les couleurs et tout, j'adore l'effet transparent, c'est trop beau. Et j'ai acheté aussi des pinces à épiler parce que j'en cherche tout le temps et à chaque fois j'en trouve pas, donc 2 euros. Et je suis passée à la librairie et franchement les prix ils ont flambé pour les Picsou. Donc moi j'ai pris les trésors du Picsou, donc la nouvelle série. C'était à 6,50€, avant c'est 5,95€ et là ça a vraiment augmenté. Pourquoi je ne sais pas, mais voilà, écoutez, moi j'achète toujours hein. Je suis une fan de Donald. Et ils ont sorti aussi une nouvelle édition, suivie de guide tome 1 Donaldville. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ils font toujours des éditions limitées avec des petits supports et tu peux les ranger dans le petit carton. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc ça, j'aime beaucoup et je les achète tous les ans. Ils le font à partir d'avril. Voilà pour mes achats. Prenez pas d'eau aussi. Donc voilà, je vais aller à la BU et on se retrouve tout de suite. A few moments later. Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 10 avril, c'est le premier jour de vote les amis. Donc on est à la deuxième partie du vlog, je vous ai filmé un petit haul vendredi. Vous aurez je pense la vidéo peut-être demain ou mardi au plus tard, parce que j'ai beaucoup de contrôle là, demain c'est une catastrophe. Et j'aimerais bien réaliser ce soir le faire le montage. Beaucoup de retard dans la vidéo et tout parce que là c'était vraiment le rush en ce moment. C'était n'importe quoi, vraiment j'étais à bout. Je vais faire un petit peu ma petite routine du matin vraiment vite fait avec vous. Ce que j'utilise le matin, enfin c'est ou le soir, ça dépend, c'est la petite brume de chez Secret Key, c'est celle-ci. Je l'ai reçue il y a pas longtemps de la part de l'Estage, je suis en train de la tester, après je vous en reparlerai un petit peu parce qu'ils m'ont envoyé pas mal de petits produits vraiment sympathiques. Donc je préfère les tester et vous en parler juste après. Ça fait tellement du bien cette merde. Aujourd'hui le petit programme vraiment ça va être très rapide parce que j'ai Truffaut cet après-midi. Donc je vais vous montrer un petit peu ma petite routine. Donc je prends la petite brume. Quand j'ai la peau vraiment desséchée, je prends cette crème. Je dirais pas que c'est une crème, hein. C'est vraiment quelque chose de très liquide de la part de la neige en fait. C'est vraiment pour hydrater la peau et ça fonctionne super bien. C'est comme de l'eau. Enfin je sais pas, c'est pas une crème pour moi. Une lotion, je sais pas. En tout cas, ça fait pour hydrater la peau et ça sent super bon. On va aussi tester un fond de teint Mademoiselle Bio. Donc je l'ai pas encore testé, donc je vais le tester aujourd'hui. On va voir la tenue dès ce soir, si ça a bien tenu ou pas. Et en fait, après ça, je mets la crème de chez Aven. Alors là, je l'ai vraiment adoptée. Elle est vraiment très très bien. Je la mets matin et soir. C'est un truc de fou. Donc là, j'ai quelques petits boutons parce que les règles approchent. Mais sinon, franchement, la qualité de ma peau est beaucoup mieux. Je peux vous la conseiller à 100%, elle est vraiment bien, je vous l'avais présentée dans une dernière vidéo. Et malgré l'odeur qui ça pue, franchement elle fonctionne très très bien et j'aime beaucoup cette petite crème. J'utilise aussi pas mal la crème ciblante pour les boutons, je vous l'avais montré aussi. Et franchement elle est... Attendez, dans la fin on a fait un test. Ah c'est peut-être mieux comme ça non? Vous me voyez un peu moins blanche? Non bah je vais rester blanche les gars hein. Mais je suis pas aussi blanche que ça je vous jure hein. Et bref j'avais utilisé ça sur mes boutons. Franchement ça fonctionne du tonnerre, c'est super bien. Donc voilà pour les petites crèmes du matin. Et on va tester donc le fond de teint de Mademoiselle Bio. Alors c'est un fond de teint bio. Et de base moi les fonds de teint bio je suis pas très très fan, je vous avoue. Et celui-ci il faut vraiment beaucoup l'agiter. Je pense que vous allez le voir. Vous voyez on boit l'huile et le fond de teint entre guillemets. Donc il faut vraiment bien l'agiter. Et c'est long. Donc je prends mon petit pinceau comme d'habitude. J'en mets pas beaucoup moi de fond de teint sur ma peau. Et en fait j'avais essayé de le faire sortir avec la pompe. Sauf que j'ai fait ça pendant au moins 5 minutes. Ça ne fonctionnait pas. Et ça m'avait saoulé. Et là je vois que ça fonctionne toujours pas. Donc je sais pas s'il est défectueux ou pas. Mais en tout cas j'arrive vraiment pas à faire sortir le produit de la pompe. Donc ce que je vais faire c'est ouvrir directement. C'est dommage, hein. Mais je sais pas, la texture me paraît pas ouf en fait. Ça me paraît granuleux. Je sais pas s'il est défectueux. Je sais pas du tout. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, c'est très 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 huileux. On a beau le mélanger pendant longtemps, ça fonctionne pas. Ah, il est super gras. Oh, ah non, non, non.
Il s'estompe pas du tout bien et je trouve pas qu'il y ait de différence. Il est pas du tout couvrant. Après, c'est pas un fond de teint qui se veut couvrant. Mais là, c'est vraiment... Non, mon pinceau, là, il est gras de fou. Pour les peaux grasses comme moi, c'est pas forcément ce que j'aimerais. Et il sent l'huile. Je pense qu'il est peut-être défectueux parce que c'est pas possible d'avoir un fond de teint comme ça. Parce qu'il est... il se mélange pas déjà. Il met vraiment du temps à se mélanger et il est toujours pas mélangé. Et en tout cas, il n'y a aucune couvrance. Enfin, il y a... Non, je suis pas très très fan, je vous avoue. Alors, il y a des actifs naturels. Il allie le maquillage et le soin grâce à sa couvrance moyenne. Il unifie le teint, sublime le grain de peau tout en protégeant grâce à son écran solaire. La formule minimise l'apparence des pores, dissimule les rougeurs et imperfections. Ouais. Il garantit un effet frais et radieux sans effet de brillance pendant 16 heures. Aucun effet plâtre sur la peau, la texture est hyper légère. Alors moi la texture est hyper grasse. Il y a de l'huile d'avocat, de l'extrait de myrtille, de l'huile d'argan, de l'acide hyaluronique. C'est pour ça qu'il y a autant d'huile. Quand je vois la photo sur le site et quand la personne la sort de la pompe, déjà le fond de teint il est beaucoup plus joli. Donc je pense qu'il est défectueux le mien parce que c'est pas possible d'avoir un fond de teint comme ça qui se mélange pas. Là ce que je vois sur la photo il est très bien mélangé, il est très bien. Moi j'avais beau le secouer pendant au moins 10 minutes, vraiment je l'ai fait pendant longtemps. Il ne s'est pas du tout mélangé donc je pense qu'il est défectueux. Ça arrive, écoutez on peut pas tout le temps aimer les choses. Hein. C'est super gras sur la peau, quand je touche là j'ai du fond de teint plein les doigts. Peut-être si vous voulez avoir plus de renseignements sur les cosmétiques bio, allez voir peut-être d'autres chaînes qui ont testé ce fond de teint là. Et qui ont peut-être un flacon... pas défectueux entre guillemets. Bon bah tant pis, c'est un petit flop, mais c'est pas grave, écoutez. Donc on va se maquiller vite fait, hop 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 sur les petits boutons. Et après on se retrouve dans le salon pour parler d'études. Bon, c'est déjà mieux cette tête quand même. J'ai l'impression de filmer ma vie ici genre. Bon je me suis pas habillée, je me suis restée en pyjama. Alors vous avez été très 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 nombreux à me demander si j'avais validé ou pas à mon semestre, à combien, etc. Patati patata. Donc je voulais vous annoncer la bonne nouvelle comme quoi j'avais bien validé mon semestre à 13,5. Ce qui est une très 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 grosse moyenne. Si vous voulez pour avoir un master il faut avoir minimum 12. Enfin il n'y a pas eu encore le classement mais je pense que je suis dans la tranche... haute du classement, je pense doit être dans les 50 premiers, j'espère en tout cas. Il y a eu quelques petits chiffres qui sont sortis comme quoi 40% n'auraient pas validé, ce qui est vraiment énorme, quasiment la moitié de la promo n'a pas validé, c'était autour de 9, 8, etc. On m'a aussi demandé où est-ce que j'avais postulé, donc j'ai postulé à Assas, j'ai postulé aussi à Paris 1 et puis c'est tout. Je veux pas aller ailleurs, je veux pas mettre à Nanterre ou Créteil ou ce genre de choses parce que je sais que je n'irai pas, même si je suis acceptée, mais je sais que je serai acceptée là-bas, mais je n'irai pas parce que sur le CV en fait, tu passes de Paris 1 à Nanterre, prestigieusement ce n'est pas la même chose et l'employeur va se dire mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc par stratégie, je n'irai pas à Nanterre ou à Créteil ou autre, même si c'est peut-être des bons enseignants, etc. Mais au niveau CV, ça ne concorde pas, ça ne va pas dans la même lignée. Donc j'ai postulé à Assas en marketing. J'aime bien le marketing en soi, vraiment j'aime bien. Suite à Paris 1, j'ai postulé dans des management stratégiques, donc stratégie d'entreprise, etc. J'ai postulé dans tout ce qui est innovation. Et j'ai postulé encore en marketing à Paris 1. Donc voilà, on verra ce que ça donne, si mon dossier passe ou pas. Je l'espère en tout cas, je croise les doigts. En tout cas, je suis très contente parce que c'est vraiment un accomplissement de tout ce travail acharné. Parce que 13 et demi, c'était vraiment le max, max, max de ce que je pouvais avoir. Je pouvais pas avoir au-dessus. Vraiment, c'était impossible d'avoir au-dessus. Et je suis contente parce que j'ai vraiment tout donné cette année. Donc je vais peut-être vous dire un peu mes notes. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je suis toujours sur la même lignée. L'année dernière, j'avais 14-1 et 13-5, je crois. Donc ça va dans la même lignée, en fait. Je suis... constante. Et ça, c'est vraiment important pour les masters d'être toujours constante. J'ai eu 19,5 en sport, donc c'est un bonus sport. Ça me permet d'avoir quasiment 0,47 en plus sur ma moyenne. Donc je suis trop contente, ça m'a vraiment bim, augmenté. Ensuite, en statistique, j'avais 14 en TD et j'ai eu 13 au partiel. Donc ça me fait 13,5. Donc c'est plutôt bien parce que j'avais pas fait un exo. Donc j'étais notée sur 15 ou 16, je sais plus. Donc au niveau ratio, je trouve que c'est plutôt bien. En comptabilité, on s'est tous fait arnaquer. J'ai eu 9,13. La moyenne du partiel était à 3. C'est vraiment horrible parce qu'il y a plein de gens qui ont eu 1, 2, enfin vraiment des notes vraiment de merde. Moi, j'ai dû avoir, je pense, autour de 8 ou 7 parce que j'avais, je pense, 11 de moyenne en TD.
Et je pense pas que le prof m'ait augmenté, donc voilà. En langue, j'ai eu 14,8 en TD et j'ai eu 13 au partiel. Alors 14,8 en TD, je vous avoue que j'étais très surprise parce que j'ai eu un 2 sur 20. Alors je sais pas si elle l'a compté ou pas la prof, je ne pense pas. Je pense qu'à l'oral j'ai dû aussi cartonner, donc j'ai eu 14,8, ce qui est énorme. Alors que je ne branche strictement rien en anglais, il faut savoir que je n'apprends pas mes leçons, je ne fais aucun exercice, je ne fais rien. C'est vraiment que du bullshit, vraiment j'en ai strictement rien à faire. Le droit des contrats, j'ai eu 18 au TD, j'ai eu 15 au partiel, donc ça me fait une moyenne de 16,5 en droit. Donc ce qui est excellent pour mon master, parce que celle qui dirige le master que je veux, c'était ma prof de droit. Donc ça permet d'avoir une plus-value. Base de données informatiques, donc informatique, on a que la note du en tout, donc c'est 14,2. J'ai dû avoir 15 ou 16 en TD et donc entre 12 et 13 au partiel. Donc c'est vraiment super bien parce que l'informatique, c'est vraiment tout ou rien. On doit faire des graphes, on doit faire du Picasso si vous voulez. Voilà, c'est du Picasso et du SQL. Je sais pas si vous savez ce que c'est le SQL. Donc on doit faire ça et on doit faire aussi des graphes. Stratégie bancaire. Il faut savoir que stratégie bancaire, je n'aime pas ce cours. J'ai eu 12,2, je suis assez fière de moi parce que vraiment je n'ai rien appris de ce cours. Je n'ai rien. Je suis allée au talent. La veille, j'essaie de comprendre avec mes potes le cours et je ne comprenais rien. Mon cerveau était en total burn-out. Genre vraiment, je ne comprenais strictement rien de ce qu'on me racontait. Et au final, je suis allée au talent, je me dis vas-y. C'était un QCM, vas-y, ça peut être bon, bah pourquoi pas, hop, je coche. Et au final, j'ai eu 12,2, donc je suis assez fière de moi. Donc voilà, ce qui me fait une moyenne de 13,564. Et voilà, donc j'ai hâte de voir les classements, voir un peu où est-ce qu'on se positionne, etc. Parce que c'est assez important les classements. Donc voilà, écoutez, je suis assez contente de mes notes et donc j'ai validé. Je peux vous dire que c'était vraiment beaucoup de travail personnel, de nuits blanches aussi, beaucoup de nuits blanches. C'était très compliqué cette période-là pour moi de partiel, vraiment. J'ai vécu, enfin je vous ai pas parlé sur Insta ni sur YouTube de tout ce que j'ai vécu, mais c'était vraiment très compliqué, je dormais très peu, je pense autour de 3 heures par nuit pendant 2 semaines, c'était vraiment, voilà, et après la fatigue s'est installée, j'ai totalement craqué, vraiment j'ai craqué, il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase et j'ai craqué. Je vous l'ai montré sur Instagram que j'avais vraiment craqué, que je me sentais vraiment comme une grosse merde, et au final je vois que malgré mon état psychologique qui était vraiment assez bancal, j'ai réussi à avoir des notes qui sont vraiment géniales. Vraiment, c'est pas donné à tout le monde d'avoir des notes comme ça. Pas rien, c'est très dur. Avoir 10, c'est déjà un exploit. Et là, quand je vois que j'ai 13,5 de moyenne, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Et je suis trop fière de moi, trop fière de ce que j'ai accompli. Et comme quoi le travail paye. Après maintenant, voilà, la question c'est est-ce que je vais avoir un master? Parce que c'est vraiment compliqué d'avoir un master, je vous avoue. C'est vraiment beaucoup de bullshit. Et moi j'ai un CV qui est assez conséquent quand même. Et j'ai peur qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je vais bien lui apporter à cette fille? Elle a fait déjà beaucoup de choses, elle peut y arriver sans nous. En fait j'ai peur qu'ils se disent ça. Parce que bah, moi j'ai vraiment besoin d'un master. Vraiment parce que je veux être prof. Faut que je fasse un doctorat, faut que je fasse une thèse. Faut que j'ai une tutrice ou un tuteur, enfin j'ai vraiment besoin d'un master pour avoir ce que je veux après. Si admettons j'ai pas de master, en fait je suis pas dans l'optique ou en mode si j'ai pas de master, bah je peux quand même trouver un job à côté qui sera dans la finance, qui sera dans ceci, dans cela, dans le trading, machin, etc. Mais en fait c'est pas ça qui m'intéresse. Moi j'ai vraiment besoin, n'importe lequel, hein, j'ai besoin d'un master pour avoir mon doctorat pour pouvoir être prof après. Sans ça je ne peux pas être prof, on peut pas être prof d'une autre manière. Donc c'est ça en fait qui me fout beaucoup de pression, c'est que est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pouvoir réaliser mon rêve d'être prof, parce que c'est vraiment quelque chose que je veux depuis pas mal de temps maintenant, ça va faire 4 ans que je veux être prof. Enfin quand j'en parle avec mes potes et qu'ils me disent on sera intervenant dans ton cours, ou encore un de mes potes il me dit je serai ton chargé de TD, enfin ce genre de choses ça me fait trop rêver, ça me fait trop kiffer et j'aimerais tellement le réaliser. Et vraiment, c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur et j'espère vraiment que j'aurai un master. Donc voilà, après c'est le karma qui le voudra. Voilà, c'est le karma. Le karma m'a fait bifurquer en droit, puis en droit Sciences Po, puis en gestion. Je comprenais pas à chaque fois pourquoi j'échouais et au final, le karma a bien fait les choses. J'adore la gestion, j'adore le management. Ça m'a permis de développer des compétences de pédagogie, vraiment, et de patience.
Je suis très patiente maintenant, alors que je n'étais pas du tout patiente. Et ça m'a permis de découvrir et d'avoir envie d'enseigner aux élèves et de me mettre à la place du professeur. Voilà, c'est vraiment un rêve et j'espère sincèrement que ça va se réaliser. Donc voilà pour mes notes. Là, on va passer des contrôles. Donc demain, encore une fois, il y a beaucoup d'oral. Ah oui, je voulais vous montrer peut-être marketing pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait en marketing, ce qu'on a fait au niveau du dossier. Je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Après, au mois de mai, c'est les partiels. Donc je pense qu'au mois de mai, ça sera un petit peu chaud pour faire des vidéos. Je pense que vous comprenez. Voilà, après, il y aura les entretiens qui vont s'enchaîner pour les masters. Donc peut-être que je serai un peu moins présente sur YouTube, mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. On partage tous les jours ensemble, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc si sur YouTube, au mois de mai, vous voyez un peu moins de vidéos, c'est normal, c'est que je suis sous l'eau. Donc bref, je vais vous montrer marketing, on va aller dans le bureau, ça sera beaucoup plus simple. Bon, faites pas attention au bordel, quoique on voit pas trop le bordel. Alors en fait, notre sujet en marketing, c'est Starbucks. Le thème, c'est stratégie marketing et extension de gamme et de marque. On doit parler de Starbucks et présenter donc et inventer des extensions de gamme, des extensions de marque, etc. J'en peux plus de ce chacha. Dessiner, etc. Plusieurs projets, plusieurs idées. Donc je vais peut-être vous faire un partage d'écran de mon ordinateur. En fait j'ai fait... Non, on peut pas rester sérieux mon chacha. J'ai fait sur Canva le PowerPoint, donc il est pas fini. Normalement j'ai un pote qui doit finir sa partie sur Canva. Oh, j'y arrive pas ce matin, c'est trop dur. Donc on devait faire Starbucks, on a fait 3 thèmes, études de marché, stratégie, diversification, nouvelles extensions. Donc là j'avais commencé à faire une introduction vraiment vite fait, mais j'ai pas fini. Pour diversification, on avait donc le thème avec les différentes définitions. Donc à chaque fois je donnais les définitions. Pourquoi c'est pas en gras? Ah oui, il y a des petites différences entre l'ordi et l'iPad, je suis morte. Marketing, différents marketing, chaque fois je donnais la définition. Là aussi il y a un bug, je chiale, il y a beaucoup de bugs. Stratégie marketing, donc c'est là où j'ai fait mes petites créations, donc la fidélité, l'innovation, les réseaux sociaux, publicité. Pour la fidélité, en fait, ils ont une application et en fait, j'ai fait un screen de l'écran. Bon, ça ne fonctionne pas sur l'iPad, visiblement, mais ça fonctionne sur l'ordi, donc c'est ce qui compte. Et en gros, sur le screen de l'écran, vous avez, on peut voir les quelques bugs de l'application. Comme quoi, la fidélité de Starbucks, elle est vraiment nulle à chier. Il faut tout revoir, donc on a parlé de ça. On a aussi créé une carte fidélité que j'ai créée moi-même, là, avec les différents avantages. Ensuite, il y avait les bornes de commande. J'aimerais bien installer des bornes de commande parce que voilà, les gens ils préfèrent les bornes de commande plutôt que faire de la queue. Et il y aurait un système de fidélité pour 120 étoiles, tu as droit à des pancakes, enfin des genres de choses, un chocolat chaud pour 130 étoiles, etc. Donc on a fait ça. On a fait aussi une innovation étudiante pour les forfaits imaginaires, comme un McDo en fait. On a repris la même stratégie de McDo, on l'a adaptée. Et on a fait création de produits temporaires, donc par exemple pour Pâques, j'ai créé ces petits designs là sur Procreate avec donc des designs un peu de Pâques, etc. Et en gros, il y aurait un jeu, vous avez un flash code en fait derrière le gobelet et il faudra le flasher à la borne et donc avoir aussi une carte de fidélité pour pouvoir gagner des petits produits. Donc là ça marche toujours pas, mais il y a une petite animation en fait au niveau de la borne et il y a remarqué que vous avez gagné un expresso ou un cookie ou des étoiles, etc. Ensuite, réseaux sociaux, bah voilà, c'est Instagram, YouTube, TikTok, faire des partenariats avec des influenceurs, etc. Enfin bon, voilà, j'ai montré aussi que sur YouTube, il y a le référencement de Starbucks est vraiment nul parce qu'on le trouve pas. Et j'avais fait aussi pour TikTok, voilà, donc j'ai pas fait grand chose pour les réseaux sociaux parce qu'ils sont assez bien implantés en soi. Ensuite, la publicité, télévision, métrobus, ticket flyer. Donc télévision, on n'en voit jamais à part quand c'est une collaboration avec Nespresso. Du coup, j'ai montré des différentes publicités. Donc là normalement il y a une petite pub là, qui s'affiche, là ça fonctionne pas. Donc le style de la pub c'est working, frais, classe avec des guests comme Nespresso, ou alors un peu plus étudiant avec des bruits de fond, ASMR, etc. Parce qu'en fait ils font à chaque fois des pubs en collaboration avec Dolce Gusto, Nespresso, etc. Donc c'est vraiment pas terrible, enfin c'est bien mais c'est pas leur pub à eux, ils ont fait juste pour le chocolat chaud mais c'est tout. Ensuite, pour les pubs métro-bus, donc j'ai créé des publicités pour le métro, donc des publicités un peu colorées parce que les fonds ils sont blancs, donc il faut que ça ressorte.
Donc voilà, j'ai fait ce petit graphe pour les bus avec des affiches un peu plus pastel parce que là le cadre il est noir donc ça ressort beaucoup mieux les couleurs pastel. Donc ça je l'ai fait sur Procreate. Ensuite pour la publicité avec les flyers, donc distribuer des flyers pour avoir les nouveautés parce que généralement on ne connaît pas les nouveautés de Starbucks à part si on va à Starbucks. Donc on ne connaît pas, donc ce serait bien de savoir ce qu'il y a comme nouveauté, comme boisson en tendance, etc. Et aussi j'ai pensé à des petites remises, vous savez, derrière les tickets de caisse comme on peut trouver un peu partout pour Truffaut, etc. Donc peut-être l'adapter à Starbucks aussi. Ensuite les nouvelles extensions de marque et de gamme, donc on a donné les définitions et on a pensé à une extension de marque avec les bières de chez Starbucks. Donc les pays ici, ce serait le Royaume-Uni, Belgique, etc. Et en gros ce serait une bière sans alcool, une bière rafraîchissante et fruitée. Donc on l'a appelée la Back Beer. Donc c'est moi qui l'ai dessiné, hein, la petite bière. Et ensuite on a pensé à une boisson énergisante, la cible c'est pour les 18-30 ans, sportif en priorité. Et on l'appellerait Starburst, donc c'est un jeu de mots avec boost, éclat d'étoile. Donc l'étoile c'est surpasser, toucher le ciel, repousser ses limites, etc. Et ça fait référence un peu à Red Bull. Donc on a écrit aussi sur la petite canette, je pense pas qu'on le voit, Starburst. Donc bah, j'ai dessiné ça encore une fois, c'est moi qui l'ai fait. Les extensions de gamme, la gamme, donc on a donné les définitions. Et là, bon là je pense pas que ça va marcher, mais en gros j'ai montré la vidéo comme de quand j'ai fait la barre Starbucks, parce qu'on va faire une barre. Donc normalement on voit la petite vidéo en train de... où je dessine la barre Starbucks. Et donc en gros ça donne ça, donc il y aura des barres, donc comme des sneakers, etc. Et en gros on l'a appelé Starsate. Je sais même plus pourquoi, je vous avoue, c'est un peu comme Stargate, mais version barre de céréales. Et en fait, dommage que ça soit flou, mais je vais vous montrer sur Procreate juste après. Voilà ce que ça donne, je trouve que c'est beau, enfin ma barre elle est vraiment jolie, même si là elle est floue. Et on a posté aussi aux cookies aux insectes. C'est très répandu maintenant, donc on l'a appelé Starbug, parce que bug c'est insecte en anglais. Donc voilà, des cookies aux insectes. Et en gros, à la fin de la présentation, on va donner un cookie. Et je vais dire que c'est un cookie aux insectes. Et si quelqu'un veut le goûter, bah, il le goûte alors que ce soit un cookie totalement normal. Hein. Donc j'ai envie de voir à quel point le cerveau, il matrixe les gens. Donc voilà pour ma présentation à Starbucks. Il manque juste la partie intro, etc. Étude de marché, que c'est mon autre pote qui le fait. Donc voilà la barre protéinée. Je trouve qu'elle est assez jolie, c'est assez cohérent, etc. Donc j'ai juste repris le petit design de la barre. Et après j'ai tout dessiné autour, le packaging, etc. Il y avait aussi donc les cookies que j'ai dessinés, la petite boisson avec, vous voyez, des petites étoiles, etc. Il est marqué Starburst juste là, bon c'est assez discret. Et on a fait vraiment un dégradé de bleu et de violet pour rappeler un petit peu la galaxie, les étoiles. Enfin je trouve que c'est plutôt pas mal, enfin voilà. La petite bière, vraiment sympathique, j'aime beaucoup. On dirait Elvis Presley. Donc voilà, de base ça devait ressembler à ça. Enfin on a fait des petits croquis, etc. Starburst, la boisson de ceux qui en veulent, enfin... là c'est le ticket, donc voilà, on a fait ça comme ça. Là c'est donc le truc de métro, donc c'est flou hein, mais sur la présentation on le voit pas que c'est flou. Et ça voilà, je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Donc c'est moi qui l'ai dessiné, c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai agencé. Là c'est pareil, c'est le gobelet, donc voilà, je trouve ça assez mignon. Et voilà le petit gobelet Elisa, donc voilà, je trouve ça trop beau. Et je suis trop contente de ce qu'on a fait. Donc voilà, ce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, ce genre de choses. Mais voilà ce qu'on fait en marketing. Si on veut vraiment avoir une bonne note et se démarquer des gens, il faut avoir un peu de création, etc. Donc voilà, je suis assez contente. Je vais pas montrer mes petits achats dernièrement chez Truffaut. Je suis toute noire. À Truffaut, j'ai acheté cette plante-là. Je crois que je vous l'avais montrée. Elle est trop belle. Et en fait, j'ai acheté ce pot pour aller avec et je trouve que ça va trop bien. Le pot il coûtait un peu cher mais franchement ça rend super bien. Moi j'aime trop et j'ai reçu une rose de la part de Amori, je sais plus comment on dit, enfin, vous savez c'est les glaces en forme de rose. Donc voilà, je trouve ça trop joli. Vraiment ça a vraiment de la gueule. Et pour mon cactus, j'ai pris ce pot là. Je trouve que ça va bien et j'ai mis un petit support. Donc en attendant, ça restera comme ça. Oh, il y a une petite pousse là, c'est trop mignon. Là aussi, oh c'est trop chou. Il se plaît ici, bah, tant mieux mon coco. Hein. Et voilà, j'ai acheté ce petit pot pour que ça aille mieux avec mon cactus. Donc voilà. Donc je vais bientôt partir à Truffaut. J'ai mis mon petit pot là, juste là. Je trouve ça trop kiki. Et j'ai vu qu'il faisait pas mal de belles plantes à Truffaut. Genre vraiment, j'essaie de me retenir et tout. Ils ont fait un vase avec une tête.
genre en forme de tête avec une plante à l'intérieur à 7 €. En tout cas, voilà pour toutes les petites choses que j'avais à vous dire. Je pense que voilà, si vous, ça vous intéresse que je vous montre d'autres choses comme ça, genre voilà, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, là je suis en train de regarder le balcon et j'ai des petites idées pour le balcon. C'est d'acheter, vous savez, un petit comfy là, les trucs de chez Casa. Il y en a un à Truffaut qui est vraiment bien parce qu'il va et à l'intérieur et à l'extérieur. Donc l'été je pourrais le mettre à l'extérieur et l'hiver je pourrais le mettre à l'intérieur dans le bureau. Donc voilà, je pense que je vais me l'acheter, mais pas maintenant, je pense vers juin, juillet. Bon, nous sommes le lendemain, je n'ai rien acheté à Truffaut, je n'ai pas eu le temps et je devais y aller ce matin, mais j'avais tellement de choses à faire ce matin que j'ai pas pu. Je vais aller à Truffaut bientôt parce qu'il y a vraiment des belles nouveautés que j'ai vues encore hier, c'était incroyable. J'espère pouvoir faire un vlog dimanche. Mais voilà, n'hésitez pas à activer la cloche de notification parce que voilà, je poste à des jours où je ne poste jamais. Genre là, c'est mardi, enfin, ça n'a aucun sens. Voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça dit, je crois, juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.